cité, je crois, je sais plus. Tu vois, par exemple, cette collection, et pour vous, bah, c'est en trop, quoi. Allez, c'est parti pour les Game Viewer. Va falloir claquer la CB, bah, à un moment donné, ouais. C'est le docteur. C'est le docteur cannibale. Dans son blouson, plus de rival. Bonjour, docteur Canichtrumpf. Appétit, Anichtrumpf. Le plus gentil des Anichtrumpf. J'adore mon move de pas bouger, ça marche tellement. Vous avez vu le move de pas bouger, comment j'ai pris la distance. Par contre, je devrais pas aller là, parce que là, c'est là où il y a les générateurs qui sont en train de se réparer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler là où il y a l'intervention. Tu vois, je vais forcément aller à gauche, pour ensuite aller à droite, pour pouvoir sauter la fenêtre et me resituer jusqu'à la cabane. Tu comprends? Parce que c'est là où il y a les gènes qui sont pas disponibles. Enfin, à droite, ils sont pas dispo, mais bon, c'est pas grave, je vais aller vers la cabane. Je vais me prendre la claque, normalement. Parce que même si j'ai le temps de baisser la palette, je la baisserai pas. Si, je la baisse. Je la baisse quand même. Parce que je pense qu'il est important de pas tomber. Donc faut pas que je prenne le hit trop tôt. Tu vois, je sais rien. Surtout pas. Donc j'ai préféré la baisser. Tu comprends ou tu comprends pas. Et là je l'amène dans la zone où il y a l'intervention maléfique. Tu comprends? Comme ça on est sûr de gêner personne. Tous les autres ils peuvent tranquillement faire leur générateur peinard pendant que moi je suis peinard ici. Tu vois, je veux dire. Je pense que c'est une bonne initiative. Faire gaffe ce move là. Parce que là le moindre demi-tour je le verrai pas. Ok, on a pas trop mal joué là-dessus. Je vais faire semblant d'aller droite, ok, j'y vais quand même. Après, on a la fenêtre. Les gènes doivent être bloqués ici, je pense. On peut sauter ou pas? Ah, j'aime pas trop sauter dans ces situations-là parce que je sais pas s'il peut taz ou faire semblant. Donc, je préfère faire le tour dans ces conditions. Voilà, je pense que c'est pas si mal. Après, je joue pas très très bien non plus. Ah, il a capté. Il a capté grâce à mon cri, évidemment, mais je pensais pas qu'il avait capté à fond, tu vois. Normalement, ce move, il est censé prendre la fenêtre, hein. Voilà. Normalement, le move que j'ai fait, il est censé la prendre. S'il me tasse bien, je peux pas baisser. Ça va être chaud. Je fais le tour du coup, c'est bien joué. Ok, on va essayer d'atteindre la palette qui est là-bas. Ça va être short. On va essayer de l'atteindre. Je sais pas s'il m'a lâché. Non, il m'a pas lâché. Je vais la baisser en avance. Hop. Et je vais faire le tour. Normalement, je suis foutu, je crois. Il a tasse un poil trop tôt. Ouais, bien joué, bien joué. J'aurais peut-être dû sauter finalement. Parce que vu qu'il a tasse, j'aurais eu le temps de sauter. Je pensais qu'il me taperait M1, tu vois. Bien joué, bien joué. Dommage. Je t'ai ajouté, tu peux accepter Steam. Steam, je peux pas accepter. Par contre, si tu m'as. T'as juste à rejoindre mon gameplay en fait. Tu cliques sur mon profil Steam et dès qu'il y a des places, tu cliques sur rejoindre la partie. Enfin, faudra réactualiser ma page de profil Steam, mais sur Steam, je peux pas accepter. Yo, Destroyer, comment ça va, le fondateur? J'espère que tu vas bien, mon ami. C'est important d'aller bien. Vous me conseillez d'acheter le pass de combat DBD? Bah oui, ça coûte que 10€ pour toute une vie, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Salut Martial, comment ça va? Merci pour ton follow, Zélie, c'est très gentil. Merci à toi Zélie, j'apprécie. Ça fait bien plaisir, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est le docteur Anichtrumpf. T'as testé quand même le nouveau tueur? Bah j'ai regardé et j'ai fait une vidéo pour l'exclamation 31. Et t'auras toutes les infos. Merci Claudette, c'est adorable. Merci Claudette, c'est trop mignon. Alors qu'est-ce que propose ce petit doctor? Ok, reviens ici, fais un tasse de zone, il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant faut que je me casse de cette zone parce que c'est la zone où il y a les deux gènes. Oh, il y avait un joli trigène ici, un, deux, et le troisième qui était bloqué, tu sais, là-bas. Mais ils ont fait celui-là, donc c'est bien joué. Faire semblant d'aller à droite pour décaler, pour redécaler. Parce qu'après j'ai une double fenêtre, tu comprends? Comme ça, je peux la tesso. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Et ensuite, on va essayer d'aller jusqu'en bas. Hein. Je pense qu'on sera pas mal. Hein. On a un bon spot et tout. Non, la map était bien. La map était super bien. Il y avait plein de loops qui se connectaient et tout. Non, c'était cool. C'était cool, c'était cool. Est-ce que je profite de mon coup décisif ou pas? Allez, on va essayer de profiter du coup dé. Je pense qu'il y a le temps d'en profiter. Faut juste que je me fasse grab à la fenêtre. Voilà. Voilà. Et ensuite on peut essayer de redescendre, alors pas trop non plus, faut faire gaffe parce que là je crois qu'il y a un gène, non? Ah non, j'ai cru qu'il y avait un générateur. Ok, cette palette elle est bien mais je l'aime pas, donc je vais pas aller dessus, je vais aller plutôt sur elle qui est mieux. Par contre va falloir que je réussisse le dead art, ça va pas être évident. La clou qui essaie de protéger, c'est gentil, ça part d'un sentiment très très altruiste et très gentil, j'aime bien. C'est adorable. Ok, le petit turn et tout, pas de soucis. On va essayer de voir si on peut baisser ou dead art, je sais pas trop, on verra. On verra ce qui nous est proposé par ce jeune docteur, peut-être il a no head. On va faire attention à ça. Il va tasse à chaque fois, hein, je pourrais jamais baisser. Mais l'intérêt, c'est juste de placer le dédard. Ok, le no head. Ça, au moins, on a l'info. Bon, la clou d'aide se sacrifie un peu pour rien.
Mais écoute, c'est gentil. Bon, c'était pas nécessaire, j'avais mon dur à cuire, mais c'est ok. Bah merci à la Clo-Clo, hein. C'est plutôt gentil, comme ça elle prend une P1 alors que moi j'étais en P2 si je me faisais accrocher, donc c'est bien joué aussi, c'est-à-dire qu'elle avait que ça à faire, de toute façon elle voulait faire quoi d'autre. Elle aurait pu faire un gène ou quoi, mais non, ça sert à rien, puisqu'il y en avait un qui le finissait déjà, c'était le GF. Donc non, le choix était bon. Tiens, j'ai trouvé le Noed, mais à mon avis il va venir ici, mais c'est pas grave, vu que j'ai des dards, il va juste me taze. Sauf s'il a trop peur de pas faire de kill, il va rester sur le unhook, tu vois, pour pas qu'il y ait de décrochage, tu vois, il va rester sur le hook. Ce qui me permettra d'enlever le dard, le Noed. Et là on sera bien. Et là on sera bien, moi j'aurai mon soin. J'aurai mon soin. Ah oui, c'est vrai que je fais. Eh les gars, j'étais en train de faire des QTE et dans mon esprit je cassais le totem. Ok, je suis loin, hein, je suis loin, loin, loin. Tu penses quoi de la perte mine explosive de Jill? Très amusante, très sympa, mais pas très compétitive. Mais très amusante. On va essayer de se soigner. Première game, ça part déjà en vidéo. Ouais, première game, ça peut faire tout à fait une vidéo YouTube, c'est super cool. Ça fait plaisir, un petit docteur et tout qui reste sur nous. Bon voilà, hein, certains diront non, c'est pas un loop 5 gen parce que t'as été accroché entre temps. Alors que ben le tueur il reste sur moi toute la partie. Qui a permis aux autres survivants de réparer les générateurs? Bah c'est celui qui était en chase avec le tueur. Qui a été en chase avec le tueur toute la soirée? Moi. Donc à un moment donné, si c'est pas un 5 gen loop, bah je sais pas ce que c'est. Mais bon tranquille, c'est pas grave, c'est l'éternel débat. On va aller tenter la save. Alors juste une petite info. C'est dommage que personne n'ait pu save. Après c'est pas si facile contre docteur, mais faut savoir qu'on peut pas se faire grab. Donc là il y a pas de raison de pas save, hein. Il va à Taz, mais moi je peux save largement, tu vois. Hop, et voilà, tout simple. Alors faut voir où est la porte, je sais pas trop où aller, je vais essayer de le gêner. Voilà, il me tape. Après j'ai mon dur à cuire, faut juste qu'il me tasse pas au bon moment. Le Jeff qui va peut-être try d'être derrière moi pour me tèche projet. Alors me bloque pas par contre, frérot. Merci beaucoup, c'est gentil, nickel, adorable. Adorable. Et après on peut rajouter un petit troll et on tombe peut-être, tu vois. On rajoute un autre petit troll, tu vois, ici, et on fait un geste, tu vois. Bon ça, encore une fois, ça, il y a des gens, ils n'aiment pas trop qu'on fasse ça, mais je vous assure que ce que j'ai fait là, c'est vraiment donner une chance supplémentaire au tueur et lui en redonner une. C'est-à-dire que si je rate mon dead art, c'est-à-dire que s'il attend et il me tape, je fais un salto, il me ramasse. Donc je suis puni, tu vois, mais il n'y a pas de t-bag, rien du tout, mais voilà, je donne une opportunité de punition. Et si je réussis quand même mon dead art, mais qu'après je rate mon montrage du doigt, parce qu'il attend et qu'il tape après, ou qu'il tape avant que je monte du doigt, je refais un salto du coup, et là il peut me grab aussi, donc ça lui redonne une deuxième chance de m'accrocher. C'est pour ça que j'aime bien faire genre de bail, parce que c'est pas du t-bag, c'est pas trop de la provocation, un petit peu quand même, mais ça reste de la provocation un peu équitable dans le sens où bah, si je me rate, ou si lui il anticipe bien, et ben je me retrouve sur un crochet. Donc au final ça me punit, tu vois. Et moi j'aime bien cette histoire là, de faire quelque chose. Voilà, qui permet d'accentuer un petit peu le côté loop 5 gen, tout en étant puni si je me rate. Ça, j'aime bien. Donc, en l'occurrence, ça m'est déjà arrivé, hein, que j'ai déjà mis sur YouTube d'ailleurs. Donc, c'était trop cool. J'ai bien aimé, bah, tu vois, des games DBD, hein, s'il pouvait y en avoir plus des comme ça, ce serait bien. Mais en même temps, si cette game a eu lieu, c'est qu'elle n'est pas équilibrée non plus, parce que j'aurais pas dû m'affronter ce docteur, tu vois. J'aurais pas dû être contre lui et tout, mais bon, c'était cool. Une première game comme ça, il va falloir la savourer parce que c'est pas tous les jours comme ça, les amis, sur DBD, je peux vous l'assurer. Donc, il faut savoir savourer ça. Ça fait plaisir. Il faut savoir, ouais, comme dirait Gwenette, c'était cool. Il n'y a pas mieux que ça, c'était cool. C'était exactement ça. No one escape DS, le tour est joué, intervention impure et sur tension. Et les accès. Pardon. Pardonnez-moi. Les accessoires. Réduit de 20% le délai de déflagration d'électrochoc, ça c'est cool. Folie 2, ouais bah ça c'est un peu long à lire, je vous avoue, je laisse là, vous mettez sur pause, vous pouvez lire hein, si jamais. Et là c'est pareil, augmente la portée d'électrochoc de 3 mètres. Ok, ok. Bon, les meilleurs accessoires, c'est les accessoires où tu peux enchaîner. C'est l'accessoire où tu tases, tu peux retaser direct. C'est le seul accessoire viable en docteur d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont en modifier plein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont le foutre en basket, ce truc là je crois. Le truc où tu peux enchaîner, enfin je suis pas sûr mais... Enfin bref. Parce que le docteur va être buff, parce que c'est le tueur qui a 51% de taux de kill. C'est le taux de kill le plus faible de tous les tueurs, donc c'est celui qui est le moins fort dans les statistiques des développeurs, évidemment. Même si 51%, ça reste bien, puisque c'est au-dessus de 50. Mais je pense qu'ils veulent toucher le taux à 55% pour tout le monde. C'est, tout le monde est au-dessus de 55% de kill en tueur, sauf docteur qui a 51, quoi. Voilà, voilà. C'était très sympa, merci à lui, merci au docteur. Voilà. Et pas d'insulte envers lui, c'est pas une histoire de tunnel ou de quoi que ce soit. Il chase, il perd 3 gènes, voire 4 sur la première chase. Parce que pratiquement, voilà, il se dit, bon, bah, quelle est ma solution? Juste rester sur Roberto et essayer de le mettre au sol, et d'avoir un kill, et voilà. Il a fait ce qu'il pouvait, il n'était pas dans le bon SBMM, enfin, ah, voilà, tu vois. Faut pas voilà, être trop jugé, alors que le mec, il est juste pas dans le bon SBMM, il a pas la chance d'avoir la bonne map.
J'avais des bonnes collections de loops et tout que j'ai rarement vu sur cette map, donc ça fait plaisir. Et voilà, tu vois, c'est un concours de circonstances qui fait que il se retrouve à devoir tunnel ou camper ou si ou mi, tu vois, ce qui n'est pas grave du tout. Mais en tout cas, c'était bien, bien cool. Ça fait plaisir. Merci ZML pour ton follow. Et merci John Cookie pour ta série de 3 visionnages consécutifs. C'est très gentil.